Calendrier, Annie. C'est une chose. L'attendu de la décision de la CIJ, c'est avec. Nous sommes bien évidemment satisfaits de la décision qui a été rendue et nous sommes bien évidemment confiants quant à la préparation et aussi quant à l'issue de ce procès, puisque nous pourrons démontrer que les accusations faites contre M. Nguema ne sont d'abord pas fondées, reposent principalement sur des déclarations d'opposants politiques. Quant au reste, nous démontrerons que la manière dont il a gagné les fonds qu'il a investis en France était parfaitement légale en République de Guinée équatoriale. Au-delà de ces manigances, au-delà de ces petits tours de passe-passe, nous sommes tout à fait tranquilles avec M. Daniel Lebeg. Ce procès va se tenir, quelques mois de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Le tribunal a voulu être très respectueux des principes, très bien, et on reste très confiant pour la suite. Les voies de recours ont été épuisées dans ce dossier, de toute façon. Thank you.